Bienvenue aux rencontres entreprises et territoires. À ma droite, à votre gauche, un jeune chef d'entreprise qui a commencé à monter sa boîte il y a 9 ans. Il a 19 ans. Tu as commencé à 10 ans la radio, Louis Godon, puisque c'est de toi dont il s'agit, Louis. Happiness Radio Oise. Tu es patron de boîte, patron d'une web radio et tu vis de ta passion, on peut dire ça? Ben, j'ai eu la chance, oui. J'ai eu la chance. Comment ça a commencé l'histoire? Ben, ça a commencé dans ma chambre, tout simplement, sur un carton avec un peu de matériel qu'on avait récupéré et qu'on avait acheté en vendant toutes sortes de choses, en faisant les petits travaux dans la rue chez les voisins pour financer tout ça. Faut dire la musique, pardon, je t'interromps, mais t'as baigné dedans, ton papa était DJ, oui, je crois, c'est voilà, ça? Voilà, mon papa était DJ, donc j'ai voulu refaire comme papa au début, hein, et puis après j'ai découvert la radio. Donc j'ai écouté la radio avec un chronomètre pour comprendre les temps d'antenne, pour comprendre un petit peu le fonctionnement. Et après avoir écouté, j'ai voulu refaire. Donc je m'y suis mis tranquillement et j'ai appris à mon rythme dans ma chambre à 10 ans, 11 ans, 12 ans après avec les quelques années qui s'écoulent. Mais, et puis ma foi, aujourd'hui j'ai la chance d'en vivre et d'apprendre encore aujourd'hui. Je pense qu'on apprend tout, enfin comme dans beaucoup de métiers, on apprend tout au long de sa vie. Donc, Alors comment tu as monté Happiness Radio Oise? Qu'est-ce qu'on trouve sur ton antenne? Tu es une web radio, hein, c'est digital. C'est ça, c'est une web radio digitale exclusivement diffusée sur les canaux site internet, applications. Et donc nous, ce qu'on peut trouver sur Happiness, c'est d'une part de la radio de proximité, c'est notre leitmotiv, si je puis dire, avec des émissions à vocation de proximité, à vocation locale, avec on va traiter de l'associatif local, du sport local, de la vie locale, de l'économie locale d'ailleurs, c'est notre raison aussi de votre présence ici. De notre présence ici, pardon. Et puis forcément du programme aussi de divertissement, du programme avec de l'information aussi. Donc voilà, tout ce type de là, avoir de la vie locale, du divertissement, de l'information. On essaie de mêler tout ça. C'est quoi ton modèle économique, Louis? Comment tu vis? On vit avec de la publicité sur notre antenne et on vit également avec tout un nombre de prestations qu'on a développées au fur et à mesure avec la demande qu'on avait de nos clients, qui sont exclusivement dédiés aux TPE, aux PME de l'Oise. C'est vraiment important pour nous, puisqu'on part d'un constat où la petite entreprise du coin, elle a le besoin de communiquer, mais elle n'a pas forcément le moyen ou la personne ou les compétences pour le faire. Donc nous, on vient en complément et on vient accompagner justement le chef d'entreprise dans cette communication dont il a énormément besoin. Et donc voilà, on essaye de répondre au mieux avec des solutions de cohérentes. Et c'est qui on alors? T'es le commercial, t'as des commerciaux, comment alors, ça se passe? On est plusieurs, on est 80 bénévoles. 80 bénévoles. Et après on a deux salariés dont j'ai la chance de l'être. Donc ça nous permet de pouvoir assurer ces missions-là, le commercial, le démarchage, et aussi les clients de plus en plus qui nous contactent directement. Donc ça c'est encore mieux. Ah donc un éventail très large, la publicité radio traditionnelle du coup. Les prestations vidéo ou audio, parce que c'est tu ça. Aides aussi ceux qui en ont besoin à développer des web radios privées. Voilà, ce type de prestations. Et après, donc, dans l'audio, on va enregistrer aussi du spot publicitaire, faire tout ce qui est production de voix off, animation d'événements. Et puis dans la vidéo, bien sûr, on a tout ce qui est production audiovisuelle et la communication qui est aussi un autre volet. On va faire de la formation en communication, du community management, du référencement et toutes sortes de choses. Oui, parce que 2010, t'as 9 ans, 10 ans, il y a quasiment 10 ans, mais il y avait déjà de l'Internet. Quand on parle de digital native ou de millennials, alors là, toi, t'es un exemple. j'ai connu le tout début de la web radio, finalement, avec les premiers serveurs qui n'étaient pas très fiables et qui coupaient tout le temps. Donc, il a fallu composer avec ça. Et maintenant, on a la chance d'avoir des fournisseurs où on peut travailler convenablement avec eux. Donc on parlait de la fin des années 80, de la fin des années 70, début des années 80. Avec l'explosion des radios libres, toi on peut dire que tu as été un des acteurs majeurs de l'explosion des radios digitales, on pourrait dire ça? Un petit peu. En tout cas, tu es le seul en France à avoir ce degré d'expertise et aussi jeune à 19 ans. J'ai la chance de pouvoir quand même en vivre, d'avoir un projet assez viable, parce qu'il n'est pas encore le cas sur toutes les web radios. Il y a encore beaucoup de web radios qui se montent un peu comme ci, comme ça. Et c'est un peu le problème qu'on a, puisqu'aujourd'hui c'est très facile finalement de monter une petite radio pour soi, mais c'est encore plus compliqué de la développer. Et donc il y a encore parfois ce degré d'amateurisme, mais nous on essaie d'être le plus professionnel possible. En tout cas, ça s'entend et ça se voit. Pour en avoir le cœur net, un site peut-être ou l'adresse de la radio, c'est quoi? Donc c'est www.happyoise.fr ou l'application Happiness Radio. Vous tapez Radio Oise dans un moteur de recherche, on a la chance d'apparaître premier, donc c'est parfait. Happy Oise, retenez bien le nom de ce garçon, Louis Godon, il ira très très loin et vous pourrez dire, ah bah tiens, j'ai assisté
à ses débuts. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres rencontres. Merci Louis. Merci.